Le prince William est préparé pour son futur rôle de roi depuis qu'il est enfant, selon l'ancien coach vocal de la princesse Diana, Stewart Pierce, qui a travaillé avec la princesse Diana pour maîtriser sa prise de parole en public entre 1995 et 1997, a affirmé que le prince William était préparé pour son futur rôle depuis des décennies. Il a déclaré « William fait partie de la conversation depuis sa 11e ou 12e année, il a été soigné. Monsieur Pierce pense également qu'il y a des chances que le prince Charles abdique en faveur de son premier-né à la fin du règne de la reine. Point, point. Lorsqu'on lui a demandé si William serait heureux d'accéder au trône avant Charles, le coach vocal a souligné à quel point le devoir est une motivation importante pour le duc de Cambridge. Monsieur Pierce a déclaré au Daily Star. Eh bien, le motif principal est le devoir. Le comportement principal est de soutenir le patrimoine et la tradition en tant que statut emblématique pour que le peuple britannique ait quelque chose à quoi se référer, de la même manière que Sa Majesté ait cette déclaration emblématique depuis plus de 70 ans. Les affirmations que le prince William a été initié à son futur rôle de souverain dès son plus jeune âge ont également été faites auparavant par l'auteur royal Robert Lacey. Dans son livre Battle of Brothers, M. Lacey a affirmé que le duc de Cambridge avait été invité à déjeuner au château de Windsor certains week-ends alors qu'il était à Eton. Avec ces déjeuners, la reine et le prince Philippe entendaient soutenir William, qui vivait la séparation publique de ses parents, a précisé l'auteur. Mais ils ont également donné la chance au monarque de montrer au prince William l'importance de son héritage et de son avenir. Monsieur Lacey a écrit. Pudding terminé, Philippe ferait une sortie discrète, laissant sa femme et son petit-fils ensemble dans la salle au clambrissé avec son lustre à six bras suspendu au-dessus de la table devant la magnifique tapisserie des gobelins de la reine Victoria de The Hunt. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.